Vous savez qu'au cabinet de votre chirurgien-dentiste, les honoraires concernant tout ce qui est caries, extraction, détartrage, bref, les soins de base et de prévention, sont encadrés par la Sécurité sociale. Vous savez, ces soins dont les tarifs sont fixés par la Sécurité sociale pour le bien de tous et qui sont les moins chers d'Europe. Vous trouvez ça bien et juste. Dans le même temps, votre praticien doit vous assurer une sécurité et une qualité toujours plus grande. C'est primordial. Problème. Ça augmente les charges et ça crée un déséquilibre. Mais bon, pour vous, patients, ce n'est pas votre problème. Plus de 80% de l'activité du praticien est ainsi du travail à perte, parce que la Sécurité sociale l'a décidé. Et les 20% restants ? Les 20% restants, c'est tout ce qui regroupe les actes tels que les prothèses, implants, l'orthodontie, etc. Ces actes que vous, patients, trouvez parfois chers. En fait, et heureusement, le chirurgien-dentiste est autorisé à fixer librement ses honoraires sur ces actes-là. C'est grâce à ces 20% restants qu'il peut faire tourner son cabinet et vous assurer des soins de qualité. Mais bon, ce n'est toujours pas vraiment votre problème en tant que patient. Vous avez toujours la possibilité de vous rendre dans des centres low-cost pour ces soins. C'est bien les centres low-cost, c'est moins cher. Là-bas, on ne soigne pas les caries, on ne fait pas de prévention, on ne travaille pas à perte, donc on peut baisser les tarifs. On y traite les patients à la chaîne, d'ailleurs on ne veut pas le connaître le patient. Dans une logique de rentabilité, on peut même parfois lui faire plus de soins que nécessaire. C'est pas grave, vous avez l'illusion que c'est moins cher que chez votre chirurgien-dentiste de famille. Mais bon, ce n'est pas le problème du patient. En fait, si. Parce qu'à ce rythme-là, vous ne trouverez plus un chirurgien-dentiste susceptible de répondre à vos demandes. Et donc, plus grand monde pour réaliser ses soins. Alors on fait quoi ? C'est simple. La Sécurité sociale doit augmenter les tarifs des soins de manière conséquente pour coller à la réalité. Ainsi, tous les actes du chirurgien-dentiste contribueront au bon fonctionnement du cabinet dentaire. Vous devez avoir accès à des soins de prévention comme les soins des gencives, les vernis protecteurs, tout ce qui permet de garder vos dents pour la vie. Pour vous, la Sécurité sociale doit prendre en charge des soins innovants et des avancées techniques comme la numérisation, la robotisation, ce qui permettrait de choisir des traitements plus adaptés en vue d'améliorer votre santé bucco-dentaire. Et tout ça, les politiques ne s'en sont jamais occupés. Et qu'en pensent-ils ? Mis à part les raccourcis démagogiques, que proposent-ils sur les soins dentaires ? Les chirurgiens-dentistes se battent pour vous.